Voilà, et eh bien coucou tout le monde, désolé, donc j'étais en train de faire quelques réglages, je remets le chat, voilà. Ok, on vient de voir une patte de Bronto, c'est tout à fait normal, et eh bien coucou tout le monde, c'est Mentalis. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle live sur Ark, le jeu que je l'aime bien, donc que je continue à le streamer. Aujourd'hui, on va faire un peu d'exploration, attendez, bougez pas, j'ai un truc qui me stresse, voilà. Voilà. Nickel. Du coup aujourd'hui donc l'objectif, on va avoir deux petits trucs à faire. Alors déjà, hop là, je le sens un peu fort dans mes petites oreilles, toutes sensibles. Voilà. Donc déjà on prend Almin. Quoique, est-ce que je devrais pas aller chasser un tout petit peu avant? T'as, il te reste combien de bouffe? Ok, t'as ce qu'il faut. Merde, t'es sérieuse là? T'as plus rien à bouffer? Faim. Bah, ça va, allez, il t'es pas prêt de mourir de faim. Donc on va avancer comme ça, hein, écoutez. Hop là, et hey, coucou donc Iki. Ah, je vais regarder si le tweet est bien parti, par contre, c'est un truc quand même. C'est bon. Donc, aujourd'hui je vais vous montrer en fait un truc sympa. Maintenant qu'on a le Pteranodon, je peux me permettre de vous le montrer en fait. Surtout ça. C'est comment je farm. C'est-à-dire quoi? Mais pourquoi tu nous montres ça? On est en live, on a autre chose à foutre que regarder comment tu farmes. Bah écoutez, je vais vous montrer une technique que j'ai plus ou moins inventée en fait. Je sais pas si elle existe en fait. Disons que pour moi, je l'ai inventée puisque je l'ai piqué de personne. Mais que du coup, je la trouve extrêmement intéressante. Juste option, connexion, connexion, faible, c'est bon. Allez. Donc du coup, là vous voyez, je récupère du métal. Beaucoup de métal. Énormément de métal. Une armée de métal. Je veux encore plus de métal. Alors, je pouvais avoir un tout petit peu moins de pierre, c'est cool. Alors par contre, truc assez bizarre, enfin c'est un bug de la dernière version. On n'entend plus le caillou se péter quand on finit de le miner. Vous entendez? Enfin, vous entendez rien en fait justement, mais voilà. Constatez sur tout ça. Tu me suis, hein, voilà. Et puis il faut qu'Almin me suive parce que sinon je vais être baisé comme un boulet. Non, par contre, il faut qu'Almin me suive, pas qu'elle me précède. Voilà, ici, il y a un caillou à faire. On récupère. Donc, on attendait de foule, en fait, hein, c'est ça. Allez. Oh, c'est pas normal que je récupère. Bah, et bah, bien fait, écoute. Bon, où est-ce qu'elle est, cette espèce d'abruti? Bon, ça va, elle est bien encore niveau vie. Du coup, on va récupérer encore un tout petit peu de cailloux. Du caillou coloré. Mais lâche-moi! Je te demande de me suivre, pas de me stalker. Voilà, c'est bon. Alors là, je suis encombré. Donc, du coup. Mais. Au pied, Almin. Voilà. Je monte dessus. Ça me permet de me déplacer normalement. Et je vais jusqu'à un endroit. Voilà. Qui est prévu à cet effet, à savoir ce petit radeau. Voilà, où je dépose donc ce que je viens de récupérer, tout simplement. Et donc vous voyez que j'ai un petit peu farmé, alors pas grand chose, mais un tout petit peu. Bah du coup, tu me suis? Ok, bah du coup, c'est quoi? On va back à la base avec ça. Tu t'es fait taper. Non, en fait, c'est moi qui ai frappé Almin, en fait, parce que cet abruti se foutait devant moi. Oh là, attendez, c'est quoi ce skin dégueulasse là? Voilà, s'il te plaît. Deux fois, j'ai le skin qui disparaît, allez comprendre. Bon, ça va, heureusement, on en récupère à chaque fois que quelqu'un meurt, mais bon. Et ça reste chiant. Moi, je veux mon sapo d'Indiana Jones. Et donc, du coup, là, on retourne à la base, en fait, et avec le radeau bourré de ressources. Hop là. Du coup, on va un petit peu chasser avant de faire ce que je veux faire, parce que bah, j'ai plus de viande. Et il en faut. Ah, c'est bon, elle suit bien. Ah, j'aimerais bien qu'elle évite de coller à la surface de l'eau parce que bah il y a des mobs. Allez, alors, je vais pas vous le cacher, j'ai exploré, hein, mais genre j'ai exploré, hop, comme un porc.
Quasiment tout le côté ouest, je l'ai exploré. Et franchement, la zone est très très sympa. Enfin, voler avec le Pteranodon, c'est juste génial, quoi. Bon, ouais, non, mais ça, l'IA des trucs volants, faut leur faire. Hein. Mais genre, vraiment. Il y a un problème. Les mobs, ils sont vraiment trop débiles. Hop là, tu suis, hein. Putain, mais ça me stresse le fait qu'elle vole à la surface de l'eau comme ça. Parce que là, s'il y a un méga char qui chope pour me happer, bah c'est elle qui va happer et puis bah rip quoi. Non, du coup, j'ai rien tamé aujourd'hui. J'ai le raptor capturé hier qui a eu un accident. Qui est mort, je sais plus comment. Et hop. Bah j'ai pas tenté Iki et à vrai dire je vais pas te le cacher, j'ai pas envie de perdre la Pteranodon et ma vie pour tester. Sans compter la selle en fait, surtout la selle qui est très problématique. Allez. La Pteranodon. Je sais parler. Là. Hop. Petit 3-6. Voilà. Alors, toi, tu vas arrêter de me suivre. Ou que ça te posait un endroit qui semble logique. On va dire que c'est logique. Je vais me balader avec mes 50 de métal. Je peux encore en prendre un peu plus? Voilà. Allez. Plat. Voilà. Allez, hop. Voilà, on va faire quelques allers-retours comme ça. Donc désolé, c'est pas un super début de live de ouf, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Puis en même temps, voilà, je voulais vous montrer ça et je voulais pas ramener le radeau à moitié vide. Tant qu'à faire, je voulais qu'il soit à peu près plein. Voilà. Alors je vais vous montrer aussi parce que j'ai gagné deux levels, je crois, aujourd'hui. Ah, je suis level 40 au fait, j'ai débloqué de nouveaux engrammes, bougez pas. J'ai même pas fait gaffe. Donc j'ai acheté pas mal de nouveaux trucs. Polymère. Centre d'usinage, je sais pas à quoi sert tous ces trucs. Donc j'ai débloqué évidemment le truc, la salle de Ptera, mais... Enfin d'ailleurs, ça débloque level 35, donc je sais pas ce que ça débloque level 40 en fait. Pas l'impression qu'il y ait des trucs de ouf. Hein. Je ne peux plus sauter. Stop le suçage de bite, Iki, tu me fais peur. Et en plus, si c'est pour dire ça et agir comme tu le fais. Voilà. Du coup, alors, bah, vous savez quoi, je vais allumer. Ça a commencé à brûler. Et en fait, vous avez vu donc que j'avais masse de bois en fait, simplement parce que bah j'ai déforesté à peu près la forêt deux fois. Non, raté, hop. Et je suis à combien de poids? 132, ouais, non, ça va pas le faire. 107, ça va. Ah, je peux quand même pas courir, bah ça va être lent. Et bien sûr, je le dis jamais assez, mais coucou à tous les ninjas qui regardent, évidemment. Je sais qu'à un moment il faut que je bouge TGF parce que cette patte qui glitch c'est toujours un peu. Attendez, bougez pas.
Viens là. Alors, vous allez rire, mais c'est déjà la deuxième fois que... Et voilà, que je dois remettre son corps dans la maison. Voilà. C'est déjà la deuxième fois, tout simplement parce que son corps glitch en fait à travers la chaume, c'est relou et je sais pas comment patcher ça. Si vous avez des idées. Ouais, ça me... Puis même, d'un point de vue roleplay, oui, le roleplay est important. Un bronto qui fait ça sur ta maison en paille, je suis désolé, mais la maison en paille, elle se porte beaucoup moins bien que ça. Et non, je réactiverai pas le fait que les dinosaures puissent infliger des dégâts aux structures, je suis pas con. La vache, te quantité de bois. Ah, pareil, je me suis rendu compte que... dans le frigo, les œufs en fait de dino, qui normalement ont 7 jours pour être consommés, bah ils passent à 60, 70. C'est sympa. Moi j'aime bien. Ça me laisse le temps pour les manger. Ça me laisse le temps pour appréhender à quelle sauce je vais les faire. Non, par contre, ouais, j'ai plus. Ah oui, bah je vous ai pas montré la nouveauté. Je suis passé devant, normal, mais je vous ai pas expliqué ce que c'était. Hop là. Ouais, hop. Allez. Ouais, c'est en public, Iki. C'est mon serveur, mais en public. Parce que j'ai pas envie de jouer tout seul. Ce qui, au final, fonctionne pas très bien. Mais j'ai pas envie de jouer sur le serveur d'un autre. Oui, donc évidemment, donc je n'ai plus du tout de bois. Mais vous allez comprendre. Et là, vous allez dire que je suis un génie. Et que vous allez tout de suite follow ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. Au cas où c'est pas encore fait. Allez. Voilà. Hop là. Alors, oui, je sais, c'est relou de devoir faire les allers-retours, mais je préfère vider le radeau parce que sinon j'oubliais. Avec des gars qui tuent les gens. Ouais, et eux, ils peuvent tous se retrouver avec des bannes. Ah putain, il y en a encore ici. Oh là 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 là. Et je vais pas m'en tirer. Hein. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé sur récolte. Hein. Du coup, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout ça. Non, ouais, bon, je suis en train de me tuer là. Alors. Allez, voilà, merci. Sur ce serveur, ouais, c'est interdit. Mais je le bloque pas parce que, entre potes, qu'on se fout des patates, je veux bien. Mais entre tribus, je veux pas. Du coup, non, juste virer ça et. Tout fabriquer. Voilà. Oh, tiens, tant qu'à faire un aller-retour. Hop là. Je suis à combien de poids? Ouais, 111, ça va. Ça passe. En fait, c'est même précisé dans le titre du serveur. En fait, c'est PvE sans PvP. En fait, le titre. Exact. Mot pour mot, c'est PvE sans PvP. Et on vient de voir une crotte disparaître. La magie. Hop là. Alors. Voilà. Là. Raté. Ah, du coup, j'ai farmé aussi pour... Là. Putain, mais... Du coup, vu qu'il y a la patte du bronto qui est là en fait, je ne peux pas avancer, c'est relou. Regardez. Vous voyez? Il me tape des rollbacks. Parce qu'il considère que la hitbox de la patte est là. Donc, du coup, désolé mon gros. Il va falloir que tu bouges.
Voilà. Ta queue va pas gêner, hein, j'espère. Hein. Voilà. Donc du coup, hop, hop. Et où est-ce que tu vas? Mais t'es pas en mode errance? TGF qui fait ce qu'il veut. Croquis, fais ce que tu veux. Eh, on commence à avoir un sacré stock de bois, hein. Je vais peut-être pouvoir la finir la maison un jour. Eh, j'ai bon espoir. Allez, c'est faisable. Ah, parce que les crafts sont ultra chers, Iki, hein. Avec ce que j'ai, je suis même pas sûr de pouvoir. Alors, tu vois l'extension de gauche de la maison. Avec tout ce que j'ai farmé, je suis même pas sûr de pouvoir faire l'appareil à droite en fait. Enfin, je suis même pas sûr. Je suis sûr de pas pouvoir avoir assez pour faire le même truc à droite. C'est méga cher à crafter. Et encore, j'ai pas encore commencé à décoration à l'intérieur. Ni le dernier étage. Enfin bref, voilà, j'ai pas pu avancer pour le moment. Enfin, j'ai pas pu. Je fais ce que j'ai pu, mais en solo, farmer, c'est vraiment très très dur. Parce que entre ça, la bouffe pour les dinos, mon propre stuff qu'il faut que je répare parce que je farme pour les dinos, le fait qu'il faut que je farme pour réparer mes outils que j'use en farmant pour farmer les dinos. Enfin bref, j'arrête pas de farmer et au final, bah, moi personnellement, j'ai pas l'impression d'avancer quoi. Bah attends, bah c'est très simple, je vais te montrer ça. Pour un seul mur, donc un mur, tu vois, je vais te montrer ça. Un mur, c'est. Ah ouais, le problème, c'est que je peux pas te montrer. Attends, où est-ce que je vais pouvoir te montrer? Y a bien un endroit où on voit un mur. Oui, si, je sais, voilà. Alors là, non, mais alors ça, c'est une fenêtre. Ok, alors. Le mur, alors là tu vois qu'il y a une sorte de droit devant moi là, tu vois que c'est pas correctement mis. Donc ça c'est le début du mur, là c'est le truc de droite, milieu droite, c'est le début du mur. Le mur qui va de là à là, donc jusqu'au coin. Ouais bon c'est un mur en pierre mais c'est juste pour te donner l'idée. Structure, pierre, et encore c'est donc en bois c'est ce qui coûte le moins cher. Hein. Ça coûte 40 pierres, 20 bois, 15 branchages. Donc... Ça, tu vois. Donc ça coûte tout ça. Et donc maintenant, imagine pour placer tout ça. Hein, pour faire tout le tour. Rien que le tour, hein, je te demande. Je te parle même pas du deuxième étage. Enfin, de l'étage en mur, en fait, que je suis obligé de faire. Parce que sinon, je ne peux pas rentrer ces armoires. Donc ça, en plus. Enfin, ça coûte vraiment très vite, très très cher. Ah non, mais évidemment qu'il faut les nourrir. Alors, heureusement, ils consomment pas autant que les humains. Mais ils sont quand même bien, bien relous, hein. Du coup, ici, est-ce que c'est fini? Oui, du coup, je vais en récupérer 100... Bah, je vais tout récupérer. Je vais en foutre 50 ici. Voilà. Et je vais en foutre 100 dans le frigo parce que j'en ai marre que ma bouffe se perde. Allez, les ce... Ah! Merci. Voilà. Puis même la viande avariée, faut la garder. J'ai appris que je pouvais domestiquer des animaux avec ça. C'est énorme. Allez, c'est bon, j'ai fini. Oui, on a fini. Bah, regardez, l'œuf de pteranodon que j'ai récupéré qui m'a coûté la vie d'ailleurs. Hop là, et ce périm dans 7 jours et 22 heures. Là, je le mets là. 79 jours, 7 heures et 16 minutes. MDR. Voilà. Alors le truc des caisses, c'est que y a pas photo, faut des armoires direct. D'ailleurs, ouais, alors, attends, chaque chose en son temps. Déjà, je vous montre ça, voilà. Donc, faut savoir donc que du coup, avec le pteranodon, je me suis un petit peu baladé. De toute façon, vous verrez ça dans l'épisode de demain. Enfin, bon, en gros, l'épisode de demain, en fait, c'est ce qu'on va faire ce soir. Mais j'ai juste pour vous montrer un truc en plus que j'ai fait donc dans l'épisode de demain. On monte. Voilà.
Ce que j'ai fait dans l'épisode de demain, c'est que j'ai farmé un petit peu les balises. Et du coup, j'ai masse blueprint. Je sais toujours pas les utiliser, mais au moins j'en ai plein. Si, je peux tout à fait Iki, mais tu vois comment tamer c'est long? Eh bah, faire un œuf, c'est pire. Par exemple, si le temps de tamage c'est 5 heures, bah ton œuf, ça va être 7-8 heures, quoi. Ça va être vraiment horrible. Donc voilà. Et donc, du coup, ici, c'est une grande nouveauté. Voilà. Ici, c'est la grande nouveauté. Effectivement, j'ai fait un enclos un peu plus large où on ne va mettre que les animaux qui ont des. Comment s'appelle? Que les animaux qui ont des. Selles. Voilà. Enfin, les animaux. Que les dinosaures qui ont des selles. Tout simplement. Voilà. D'ailleurs, du coup, je peux fermer. J'ai pas à peine de les ouvrir. Voilà. La seule exception. Non, mais non, y a aucune exception. Et je sais toujours pas où foutre ce putain de TGF. Il est vraiment énorme. Il me casse les noix. Du coup, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était d'abord bah, farmer. Donc, en fait, du coup, bah, je vais aller là et puis je vais sortir quelques dinos. Alors, toi, je te passe direct en. Bah, t'es en. Passif là? Bon, donc tous les cas, tu me suis. Toi. Je veux que tu me suives. On ouvre. Nesma. Je veux que tu me suives. Toi. Je veux que tu sois en neutre et que tu me suives. Laissez-moi arriver, je n'ai pas d'idée, s'il vous plaît. Toi, je veux que tu. Par contre, il n'y a pas. Attaquer votre cible. Non, mais alors, justement, je veux pas. Donc, en fait, on va te dire de. Te faire foutre, déjà, oui. Mais. Passif, voilà. Toi aussi t'es en passif, hein, d'accord. Passif. Tu peux monter tous les dinos. Tous ceux qui ont une selle, oui. Après, par exemple, le Dilophosaure, t'as vu sa taille, il est normal que je puisse pas le monter. Allez, Nesma, on passe ici. Non mais qu'est-ce que tu me fais, putain, Nesma. Ouah, mais Nesma est tellement débile. Mais qu'est-ce que tu me fais? Oh, il se passe des trucs chelous. Voilà. Et il y a Azou. Alors, j'ai fermé, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Pour éviter que Nesma ne vienne. Ouais, putain. Voilà. Non mais quoi, mais t'es sérieux? Putain, mais les rollbacks, quoi, c'est relou. J'en avais pas autant depuis la dernière mise à jour, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont complètement tout foiré, quoi. Voilà. Nickel, mais attends, vous démerdez pour me suivre. Ouais, d'accord. Ils sont vachement en train de me suivre là. Putain. What the fuck? Ok les gens, je crois que le serveur il est en galère. Ping 127, oui. Et si ça s'actualise pas, c'est qu'il est en train de décéder. Alors bougez pas. C'est des choses qui arrivent. Je continue à dire que la dernière mise à jour, c'est de la merde. Ah, puis genre, les machins, ils veulent pas avancer, hein. Ah, attendez. Qu'est-ce que je fous sur Nesma? J'en sais foutrement rien. Ok, c'est bon.
Serveur, il est revivant. Pas d'idée, ça te dirait de venir avec nous ou... Ah, il est bon le mur, je sais, mais voilà, merci. Et coucou, MTU. Vous êtes déshydraté. Ah oui, alors c'est très problématique, effectivement. Il se pourrait que ce soit mortel à long terme. Erf. Voilà. Et du coup, TGF, tu vas suivre et tu vas être en neutre. Ah oui, puis évidemment, on va prendre Almin. Bonne nuit, MTU. Du coup, toi, tu vas me suivre. Non mais. Ah, vous me cassez les couilles. Ok, je vais la conduire comme ça. Voilà. Passif. Les sauvegardes sont auto, Iki. Et sur le serveur, ça sauvegarde une fois tous les 15 minutes, je crois. Si je ne dis pas d'ânerie. Faudra que je vérifie cette information. Bien sûr, je sais. Allez. Tout le monde arrive à suivre, à part TGF, parce que bon, TGF, bah c'est TGF. Ok, one shot. Ok. Non mais dégage, bordel. Ah, je te jure. Mais laissez-moi! Meurs! Ah ah, dodo level 25 quand même. Hein. Mais ah, mais arrêtez de me pousser! Oh la vache! Alors, il y a un bronto. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Faites votre taf au pif comme ça là. Aïe. C'est à la pioche pour la viande? Aucune idée. Est-ce que quelqu'un pourrait rapidement regarder sur internet? À chaque fois, je mélange les deux. Alors, donc, vraiment, le bronto, c'est à éviter. Et parce qu'en fait, là, si on l'attaque, il one shot les pteras en fait. Ok, donc c'est bien la pioche en fait. Pas la peine de regarder sur internet. Ah, intrixé. Allez, alors, t'es quel level? 16, T'es assez haut level, hein. J'espère que vous êtes motivé, hein. Nickel. Nice. Allez. Hop là. On va par là. Ah, toi. Toi, t'as une belle gueule de victime. T'es quel level? 3. Nickel. Mais putain, mais... Ah, les Ptera, ils sont chiants. Alors... Coucou victime. Voilà. Oh, j'ai oublié de checker, mais il y a tout le monde, hein. Nesmaya, Fast et les 3 Ptera. C'est bon. Tu perds souvent des dinos. Malheureusement, ouais, minimum une fois par jour. Enfin, minimum un par jour. Et est-ce que je meurs? Oui, très très souvent. Heureusement, plus souvent que je ne perds de dino. Enfin, je préfère mourir que de perdre des dinos, parce que bon, vu le temps qu'on passe pour un seul dino... Voilà.
Le plus ancien dans le groupe, c'est Nesma. Ensuite, il y a. Je crois après. Ensuite, je crois qu'après, c'est TGF, hein, parce que TGF, il a survécu à toutes les ères glaciaires. Hein. Hein, l'extinction d'espèces, tu connais pas, toi. Il est adorable. Le dino qui a duré le moins longtemps. J'hésite entre Phénix et Bribri, hein, mais deux seuls carnivores qui ont eu bah, des accidents. On avait aussi un super Dilo qui s'appelait Dilo et qui est mort, mais lui il a duré un peu plus longtemps. En même temps, il pouvait rien faire contre Fast, quoi. Je veux dire, Fast. Alors, serveur qui lag ou. Oui, serveur qui lag. Allez, venez là. Ouais, bah du coup, moi je peux rien faire pour le. J'en regarde rapidement la configuration, voir si je peux vraiment rien faire, mais pour limiter le lag, malheureusement, pas de recette miracle, hein. Donc là. Alors, voyons ça. Ah, ça y est. Enfin. Hop là, donc pour les baies, ça va, je suis encore plus ou moins large. Hein. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas vu le raptor qu'il y avait sur la rive d'en face. Ah non, il était là-bas, le raptor. Un jour, il faudra qu'on se le fasse. À mon avis, juste avec le bronto, ça passe tranquille. Hein. Oh gars, j'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon. Normalement, j'essaie de vous le montrer. L'alpha, il était juste en face là. Derrière le rocher qui était juste devant moi. Vous savez quoi, on va faire un truc rigolo. Venez là et pas bouger. Tu fais un alpha pour le live. Non, non, c'est mort. Voilà. Allez. Ah, ouais. Juste. Ah, laissez tomber. L'alpha a du dépop. Ce que je trouve très bizarre parce qu'il a pas dépop pendant un sacré moment. Alors, en même temps, c'est vrai que le serveur, ouais, j'avais pas reboot depuis. Depuis un moment, oui, parce que faut reboot manuellement les serveurs chez NitroServe, je trouve ça un peu débile. Attendez, je monte un peu. Ils sont si affreux que ça. Bah c'est simple, un level 7 gère une team complète de dinosaures carnassiers level 60. Par team, je veux dire 4-5. Hein. Pas juste 1. Hein. Il est parti. Level 7, hein, donc. Enfin, après, ça dépend, évidemment, si vous avez les espèces de machins, la gueule de crocodile, là, qui nage aussi vite, qui se déplace sur Terre, là, les trucs horribles. Ce carnivore là, bah, effectivement, y a rien qui les surpasse, évidemment. Mais par contre, un T-Rex fera des pop sans problème par un Raptor Alpha. Hein. Ça, c'est clair et net. Et un T-Rex Alpha va des pop à peu près tout, bah tout. Hein? Sarko? Ouais, du coup, on n'a pas vu le Raptor Alpha. Je suis très déception, tiens. Non mais les alphas, c'est les alphas, c'est des boss en fait. Hein. On se tente le sarco ou pas? Ouais non, ça pue, vous avez raison. Descends.
Voilà. Ouais, ok. Du coup, est-ce que je peux jouer ou... Non, bah non. Un T-Rex. Alors T-Rex, ça s'écrit T, espace Rex, et... Attendez. Non, j'ai cru que Star Wars était autre chose que ça. Donc T-Rex, c'est T-Rex, tout simplement. Hein. Et c'est très relou là. Alors j'espère que je vais pas me, enfin que ça va pas me rollback au-dessus du vide. Ce serait très pute de la part du jeu et à ce moment-là, je tricherais sans vergogne pour récupérer mon stuff. Bon ben voilà, on attend. Écoutez, voilà. Donc moi je spam E hein, pour pouvoir descendre mon dino. Hein. Là actuellement, je suis bloqué. Hein. Narmol. Prévisible. Voilà. Du coup, suivez-moi tous. Voilà, c'est bon, tout le monde me suit, c'est un joyeux merdier. Et donc, est-ce que j'en ai déjà apprivoisé un? Non. Non, parce que déjà que je galère pour apprivoiser un n'importe quoi, un T-Rex, j'ose même pas imaginer. Coucou Fast. Bon allez, du coup, on va pouvoir se lancer dans le truc que je voulais faire aujourd'hui. Super, il flotte. Bon, sinon, vous êtes témoin, le jeu est shit, il tente de me tuer. Hein. Tu vas passer là, TG... Bah, pourquoi je pose la question, ce TGF? Non, pas d'idée. Moi, je veux... Admin. Merci. Attendez, quoi? Hop là. Ouais, donc Fast, grande question. Ton PC, il a quoi comme config? Hein? Allez, hop. Allez, vas-y, TGF, on t'attend. Oh putain, il va falloir les re-ranger et tout. Oh. Vas-y, t'es chef. Ta connexion est en PLS. Non, ça vient pas de moi. Oh. Allez. Attendez, il y a un loot. S'il faut, c'est un loot de ouf et tout. Ah, Almin vient de faire caca, évidemment. Ah, oh, il y a un bronto ici.
On régénère un peu. F, t'en es où niveau bouffe? Ça va, t'as pas encore tout bouffé. Alors vu qu'en fait on va avoir besoin d'admin pour faire un aller-retour là, je veux qu'elle se fout le bouffe. C'est jaune, non? Ou vert? Ou blanc? Non, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Ah, je le vois. Ne me mentez pas, je... Bloop. J'ai pas été grossier. J'ai dit bloop. Jeu de merde. Jeu qui troll là. Putain, 10 secondes de plus quoi. J'ai pas trop demandé 10 secondes de plus. Bon, du coup. En fait, notre objectif d'aujourd'hui, ça va être. D'ailleurs, quelle heure il est, je sais pas. Ouais, d'accord. C'est 48 minutes qu'on live, on n'a pas encore commencé le truc que je voulais faire en live. C'est pas grave, vous inquiétez pas, tout est prévu. Tout est calculé, c'est normal. Voilà. Non, mais alors, du coup, pose-toi. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont level up? Toi, oui, toi, tu as level up. Oh, tout ce que t'as en viande! Oh, mais attendez. Ouais, non, c'est du faux stack, ça, c'est. Voilà. Par contre, 43 viandes, ouais, c'est cool ça. Santé, santé, santé. Alors, c'est toi, donc on va augmenter tes dégâts de mêlée. Voilà, ça me paraît être une excellente idée. Toi, du coup. Ton nom de. Nye. Voilà. Ya, est-ce que t'as level up? Ouh. Non, pas encore. Très bientôt, mais pas encore. Bloop, c'est un gros mot pour moi. Ouais, bah écoute, j'ai le droit de dire des gros mots pour robot si j'ai envie. Pas d'idée. Énergie, hop. Je pense que moi, de mon côté, je vais arrêter de farmer pour Edino de Kaito. Alors, je sais que c'est moche, mais du coup, je perds vraiment masse de temps et d'énergie à essayer d'avoir de la bouffe pour tout le monde. En soi, si je pouvais avoir au moins un carnivore et un herbivore en moins à gérer, ce serait cool quoi. Petit repas en regardant. Ah, bon appétit. Donc du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que je veux faire? Je veux. Hop là. Déjà, regardez comment se craft le truc que je veux crafter. Sauf que je sais absolument pas dans quoi ça se craft. Ah. Oh. Hop. Meubles. Bois. Voilà. Alors déjà, je... Ah bah non, c'est même pas dans meubles. Ok. Dans structure... Bah non, c'est pas dans structure. Ah, alors déjà les panneaux, alors. Grand panneau en bois, ça coûtera 75-10. Alors, je vais en faire un de suite. Eh mais c'est... C'est trop lourd, je sens. Voilà, d'ailleurs, excusez-moi. Voilà. Ensuite, donc on redépose. Puisque j'ai mon grand panneau de bois, ça me suffira. Voilà. Et en schéma, en fait, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt ouais, stockage. Faire ouais une grande armoire de stockage 50, 35, 25, ça va, c'est pas trop coûteux. Voilà. Voilà, nickel. Du coup, j'ai ces deux trucs. Et vous allez dire à quoi ça va me servir hein? Et ben en fait ça va me servir à aller faire un petit cadeau à nos voisins du nord. Je vous en ai beaucoup parlé et je vous ai jamais montré leur base. Alors, il se trouve que en vidéo aujourd'hui, j'ai découverte. C'est un début. C'est un début de base. Hop là. Du coup, qu'est-ce que je vais leur offrir? Qu'est-ce que je pourrais leur offrir? Vous avez une idée? Qu'est-ce que je pourrais leur crafter qui serait sympa?
Hop là. Ah bah du coup, merci à Note3 qui m'a follow il y a 8 minutes. Et je viens de voir ton le message. Voilà, c'est super. Alors j'ai essayé de mettre un alerte follow. Le problème c'est que l'alerte follow il fonctionne que pouille. Donc c'est con, ça me casse les noix. Donc je verrai ça un autre jour. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais leur crafter? Ah, du stuff en tissu, je pourrais. Effectivement, je pourrais leur ramener du stuff en tissu. Parce qu'il me semble qu'ils sont à poil encore. D'ailleurs, comment ça se craft ça? Aucune idée de comment on le craft. Bon, bref. Qu'est-ce que je pourrais leur filer sinon? J'ai pas envie de leur filer des sels. Parce que ça coûte quand même super cher à crafter. Je pourrais leur filer. Ouais, si, allez. Écoutez, on va leur. Déjà, on va leur faire leur. Leur stuff en tissu. Une statue à réfugié. Ouais, ça va pas d'être. Voilà, en fait j'ai dit ça mais attendez, j'ai une meilleure idée. Parce qu'il me semble que ici nous avons. Ah là, on a du stuff ici en trop. Chapeau, chemise, gants. C'est pas mal ça. Des armes, est-ce que je peux leur filer des armes? Est-ce que j'ai des armes dans le lot là? Des armes. J'ai deux lances. Ouais, ça fait une lance chacun, ils seront contents. Et un lance-pierre chacun. Comme ça, en même temps, nous, ça nous permet de nous débarrasser un peu de notre merde. Alors, du coup, je vais tout foutre sur. Bah, sur pas d'idée. Et pas d'idée. Quoi que non, je vais pas prendre un Céleste. Donc, je vais prendre Sylvain. J'ai appris qu'on pouvait colorer les dinos aussi. Voilà. Ah, t'as level up. Du coup, j'augmente bah, ton énergie. Voilà. Non, Iki, j'ai pas. Donc, tac, 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 tac. Oui, donc, du coup, finir le craft de la panneau. Alors, je présume que ça se fait en fait à base de branchage ou peut-être de fibres. On va voir ça. Schéma. Blablabla. Armure en tissu. Ah, il faut aussi de la peau. Sauf que la peau, j'en ai plus des masses en fait, puisque j'utilise pour autre chose maintenant. Donc, du coup, voyons ça. Hop, Sylvain, viens là. Du coup, j'ai déjà. Chapeau, chemise, gants. Donc manque bottes et pantalon. Ensuite, je peux faire un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Voilà. Corbeille de frites. Non, ça sert à rien parce que le temps qu'il se connecte, tout sera déjà pourri. Allez, allez, voyons ça. Ah, voyons ça. Chapeau, chemise, pantalon, gants, chaussures. Hop, hop. Ok, c'est bon. Il y a tout. Eh ben du coup, on va aller leur rendre visite. Du coup, Almine, où est-ce que t'es tué? Là, donc toi. Suivre. Toi. Je te prends. Level up. On va augmenter ton poids. Voilà. Et on y va! C'est beaucoup trop lumineux! Ouais, je pourrais leur offrir, c'est vrai, un dino, tiens. Mais faire le voyage avec un dino jusqu'à là-bas, c'est mort. Hein. En tout cas, à pied, c'est mort. Il faut obligatoirement y aller en volant. Et d'ailleurs, est-ce que j'aurai assez de bouffe pour le retour? Eh ben, on va espérer que je vais pas avoir besoin de me servir de mon arme ou de courir. Donc, le mieux serait de passer de là par là. Hein. Il faut passer derrière la montagne, d'accord.
Ouais, juste derrière la montagne. Hop là. Oh, je fais pas de soucis, voilà, je me doute que Sylvain arrive à suivre sans trop de problèmes. Vous avez chaud. MDR. Alors, on va pas se reposer dans le marais. Enfin, faut pas être un génie pour se douter que c'est une très mauvaise idée. Stop, arrête-toi là! Allez, on attend un peu. Alors là, en dessous, il y a un oviraptor. Je les aime pas, moi, ceux-là. Allez, on y va. Bah, le problème, Iki, c'est que j'ai pas suffisamment de Ptera, quoi. Il me manquerait un Ptera, alors à ce moment-là, leur offrir. Puis même. Je veux dire, il leur en faudrait deux, quoi, parce qu'à offrir un Ptera, enfin, ils sont deux à jouer. Ça engendrerait des conflits, et après, ils me le reprocheraient, ils arrêteraient de jouer à cause de moi. Tout ça à cause d'un Pteranodon. Non, en vrai, je suis pas pour le fait de leur offrir des dinosaures. C'est quand même un peu cheaté d'offrir des dinosaures à des gens. Surtout quand... Enfin, vous allez voir leur maison, vous allez comprendre de suite pourquoi je leur offre du stuff en tissu, quoi. C'est pas pour le troll, hein, c'est... Enfin, voilà, c'est leur niveau. Ils viennent de commencer, quoi. Ah, oui, alors je sais, je suis gourmand. Putain, waouh! Ah, les FPS! Après, on a côté chez eux, t'as raison, toi. Non, par contre, si je pouvais arrêter de laguer là. Putain, mais ça lag, c'est horrible! J'ai chute de FPS inexplicable, quoi. Putain, stop! Dégagez! Voilà, on y retourne. Il est bleu celui-là, ouais. Hop là. Alors, est-ce qu'on est loin? Nope, on est juste à côté. Faut continuer dans cette direction. Allez. Alors, ah, et du coup, merci Kaito pour le retweet. Je ne sais pas si t'es là, mais si t'es là, merci. Hop là. Alors. Vous avez chaud, mais arrête, j'ai pas chaud. J'ai oublié de regarder si Sylvain suivait, mais oui. Ouais, pas de raison que tu suives pas, mon grand. Voilà. Bon, Sylvain, il a pas besoin de se reposer, hein. Sylvain, c'est un ouf. Ah, et bah du coup, merci Fast pour le message que je viens de voir. Hop là. Retweet. Allez, et donc leur maison, elle est juste là. Priorité à ça là-bas. Bon, j'ai pu en récupérer un tout à l'heure. Justement, c'était celui-là. Attendez, mais c'est moi où les couleurs sont fixes? Dégagez de là, bande d'abrutis.
Alors, pour information, le truc qui descend, il one shot, hein. Donc faut pas se le toucher, hein. C'est magique cosmique, c'est tout à fait ça, Fast. Bon, où est-ce qu'il en est là? Il est là. On peut y aller. Au niveau 45, chier! Il est jaune. Et donc, voilà leur maison. Allez. Pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Allez, assis. Putain, mais plus loin encore, quoi. C'est bon, j'ai le droit de jouer. Du coup, je récupère tout le bordel. Voilà. Hop. Tac, 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 tac. D'accord. Voilà. Alors. Ouais, on peut pas le rater. Dedans, on fout tout le bordel. Eh, je vous rappelle que la maison que j'ai construite au début, là, celle dans laquelle je continue à vivre, elle fait cette taille. Elle est même plus petite en fait. Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà. Alors. Petit cadeau. De la part de vos voisins de l'Est. Cordialement. Mentalis. Il y a un truc que j'ai mal fait ou Non, le serveur lag, ok. Ah bah oui, bah c'est évidemment, c'est... Mais en plus, je vous jure quoi, c'est le serveur qui lag, hein, c'est même pas moi. Bah sinon ici, le ping s'affolerait, vous voyez? Là, c'est juste le serveur qui se tape des tripes. J'ai cru que ce serait un peu Minecraft. Voilà. Ah, attends, juste par contre, faut juste que je modifie un tout petit truc. Un petit cadeau de vos voisins de l'Est. Cordialement, Mentalis. Mentalus, oui, bien sûr, Mentalis. Point. PS, le code est 1, 2, 3, non, non, est 0, 0, 0, 0. Définir code PIN 1, 2, 3, 4. Voilà. Et du coup, voilà, on peut se barrer. Allez.
Oh. Allez, on y va. On rentre à la maison. Donc là, on va pas explorer à partir d'ici. Déjà parce qu'on a deux pteranodons avec nous. Et que j'ai pas envie d'en perdre deux. Ah, attendez, bah du coup. Non, je vais pas noter sur ma map la position exacte de la base. Des zigotos là-bas. Pourquoi un code? Parce qu'on est obligé d'en mettre un, sinon ils ont pas accès au coffre. Sinon c'est fermé et seuls les membres de ta tribu peuvent y avoir accès. Ah. Et arrivé à la base, par contre, on va faire une petite pause, les amis, parce que ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, pardon. Et j'en bafouille. C'est mon ultime bafouille. Bah du coup voilà, Fast aussi t'as ta réponse. Comment ça réchauffer? Mais juste avant je suis passé ici, t'as dit que j'avais trop chaud. Eh, j'ai l'impression que le jeu il troll quand même des fois, non? Pas vous? On va se poser là, on va se reposer ici. On a vu le dino que je veux tamer. Enfin le dino. Le volant que je veux. Oh putain, ok, on va se barrer vite fait. Hein. C'est bon? Oh, il y a des argentavis partout. Argentalis, excusez-moi. C'est là. Envole-toi! Bon ben voilà, T-Rex. Bon, on se casse. Putain, cette montagne de la mort, quoi. On va regarder. Ah, hop, on est passé de 2 à 19 degrés. Hein. Spumter. Non, c'était un aigle. C'est un aigle qui avait en haut. Direction montagne. Bah oui, bah évidemment, il a le droit de faire un petit peu d'alpinisme. Du coup, j'aimerais bien me poser. Je sais pas si cet endroit est safe. Ah, j'ai jamais fait gaffe, mais super classe là, celle du Ptera. Attendez. Ici, ça m'a l'air safe. On va se poser. Nice. Pff, ok, t'as là. On a vu la merde que Sylvain avait larguée en plein vol. Allez, y a juste des oviraptors là-bas. C'est bon, c'est safe. En bas, on voit un titan boa, c'est super. C'est fou tous les trucs qui peuvent potentiellement me tuer qu'il y a dans le coin. D'accord, il pleut, c'est pour ça j'entends des bruits de pluie, mais je voyais rien. Si je vois que ça toque, oui, Iki. Du coup, je fous un vent. Parce que quand je dis que je fais un live, bah je fais un live. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais une pause toutes les heures, les amis. Hein. Comme ça me permet d'aller checker s'il y a besoin de trucs ou pas. Bon, là, je vois rien d'intéressant. En soi, bon, écoutez, on va rusher la base et on va faire notre pause. On va s'arrêter là, MDR. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui suivent un petit peu la série YouTube? Ou pas du tout? Ne vous inquiétez pas, c'est pas une question piège, hein. Vous pouvez très bien répondre non, je vais pas vous engueuler. Hein. Au fil du temps, j'ai très bien compris que la communauté Twitch et la communauté YouTube, c'était deux choses à part. Oh putain! Mais t'es dégueulasse, Almine, bordel! Ouais, alors j'ai une question. Par rapport à la semaine prochaine, et en fait, et aux semaines à venir. Selon vous, il vaut mieux que je continue la série YouTube, donc de Dark, ou que je fasse que en live et que je sur YouTube je trouve une autre série. En sachant que par contre, si, enfin, ça me paraît évident, hein, mais si je dois passer sur une autre série, il est clair que Ark, je pourrais vraiment y passer beaucoup moins de temps et surtout je pourrais plus farmer en hors live, ce qui veut dire que, voilà, hop, pas bouger.
Voilà, donc du coup on va se mettre là. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, et moi pendant ce temps j'en profite pour faire ma pause. Donc sur ce, je vous dis à de suite. Hop là, hop là, hop là, et hop là, yes, allez, go.
Alors, on retourne sur Ark, c'est très la nuit. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Attends, hop. J'ai tapé un truc. Oups. Alors, donc je pense que si. Ah, en fait, le truc, c'est que tu fais les épisodes de la série en parallèle, tu postes les lives, donc c'est pas très chronologique. Effectivement, fast, mais je peux pas. Alors, je suis. Oh, j'explique. Ma connexion fait que. Pour uploader une vidéo, ça me prend 5 heures. Le rendu me prend 2 heures. Le montage me prend 20 secondes parce que je m'emmerde pas. Enfin, ça dépend sur quelle vidéo. L'enregistrement me prend un certain temps. Et le farm avant chaque vidéo slash live me prend facilement 6 à 7 heures par jour. En fait. Donc je ne peux pas mettre une vidéo. Enfin, techniquement, si j'enregistre la vidéo à 8. Enfin, s'il faudrait que j'enregistre la vidéo à 8 h le matin. Donc à 8 h 20, que j'arrête le. 8 h 30, allez. Que j'arrête la vidéo de record, que je fasse le rendu, ça fait déjà 10 heures. Et que je upload pour 15 heures. Le temps que le YouTube fasse son rendu, etc., il y en a pour 2 heures. Donc la vidéo serait disponible pour 17 heures. Le problème, c'est que j'ai quand même autre chose à foutre de ma vie que de me lever à 8 heures pour tourner des vidéos. Faut le comprendre. Donc à ce niveau-là, je peux pas. De même pour les lives, bah du coup vu que j'enregistre aux alentours de 14 h, voilà, je peux pas avant, enfin, vous comprenez, je tourne à 14 h pour le lendemain. C'est-à-dire que 14 h je tourne la vidéo, ensuite il y a le live à 21 h, ensuite je fais mes rendus et upload pendant la nuit. Ce qui fait qu'au final, bah je peux pas. Hein, je peux pas faire des trucs bizarres, je peux pas faire des trucs chelous. Donc voilà, et du coup, voilà, je peux pas. Donc c'est une belle chose à montrer, la série YouTube est cool, mais après le farm explose, je trouve plus adapté au live. Effectivement, Iki, c'est un truc que je veux pas faire sur les vidéos YouTube. J'ai montré dans les premières vidéos, mais que je ne compte pas continuer les farms. Du coup, en fait, initialement, je voulais aller chasser là, mais je me dis, vu qu'on a un stock de bois, on pourrait peut-être essayer. Oh merde! On pourrait peut-être essayer d'avancer sur la maison. Hop là, essayer d'avancer, de faire les crafts, etc. Ah merde, j'ai tout pété. C'est pas grave. Merde, je suis trop lourd. Alors du coup. Poids, 143. Non, encore trop lourd. Ah putain. Et le serveur qui lag, qui lag, qui lag. Ah non, d'accord, non, c'est juste que. Ok. Non, oui, c'est les choses qui arrivent. Voilà, hop. Voilà, hop, et on fout tout ici. Nice. Donc on a 152 lingots de métal, c'est pas mal. J'ai. Ça, c'est. Ça réparer. Non, ça. Ouais. C'est bon. C'est bon. Bah, du coup, on a. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? En vidéo, je trouve. Je pense que la maison en vidéo, ce serait tellement chiant que tout le monde décrocherait au bout de deux vidéos. Et si je fais que ça, enfin, je veux dire, sans faire la partie farm, juste ça en vidéo, c'est pas intéressant. En gros, je place des murs, enfin, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je sais pas, après, c'est vous qui êtes le mieux placé, hein. Mais moi, en vrai, une vidéo où je vois un mec construire, enfin, je veux dire, je me suis tellement tapé de Minecraft sur YouTube. Ces 3 dernières années que ça me saoule, quoi. Bah du coup, film prochain. Bah, il est déjà record en fait l'épisode de demain. C'est de l'exploration. Allez. Du coup, alors par contre, je sais que j'ai des murs et autres conneries. Hop là, ici, vu que j'ai. Ah oui, attendez. On va ranger ce que j'ai récupéré là. Par exemple, le peu de peau que j'ai récupéré, on va le foutre là. Voilà. Ah non, c'est même pas de la peau que j'ai récupérée, c'est de la peau de tout à l'heure, pardon. Super. Hop là. Merde. C'est pas grave, on y retournera de toute façon. Voilà. Alors, tiens, vous savez quoi? Vu que vous êtes là, c'est vous qui allez choisir comment on va aussi organiser la maison. Je vais vous expliquer ça le cas échéant. Déjà, on va refaire. Vous allez voir. En fait, cette pièce-là, on va faire exactement la même en face, mais genre vraiment exactement la même, hein, ce sont des sœurs jumelles, on va dire. Et en fait, il y aura une, ce sera le dortoir, l'autre, ce sera la salle des coffres. Donc c'est vous qui allez choisir ce qu'on met où.
Voilà. Du coup, on va ici. Putain, par contre, j'ai chute de FPS dégueulasse. Ici. C'est ici que ça m'intéresse parce que voilà. Il y a. Il n'y a pas de mur. Il y a un toit que je récupérais. Ça, je le vire. Ouais. Bah, c'est tout. Ici, j'ai rien à mettre dedans. Non, c'est bon. Bah, du coup, en fait, vu que j'ai niqué tout mon stock de poudre étincelle. Je vais en foutre 50 en haut. Tu as toujours tes dodos? Ouais, je les ai toujours, les dodos de combat. Bah, ils sortent jamais en fait. J'ai pas envie de les sortir parce que je sais très bien qu'ils vont se faire défoncer. Mais effectivement, ils sont toujours en vie. Hop, poudre étincelle. Oh, je sais pas par quelle espèce de magie ils arrivent à faire brûler du silex et de la pierre, mais bon. Putain, mais chute de FPS dégueulasse là, c'est horrible. Du coup. Schéma. Ce que je veux faire, c'est des structures en bois, voilà. On va s'amuser à calculer combien il en faut. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, il en faut 14. Il faut 14 murs en bois. Ton ancienne maison comme poulailler à dodo. C'est faisable, effectivement. Sauf que je compte pas élever des dodos en masse. Pour la raison que j'ai expliqué à mon père il y a 10 minutes, en fait. Merde, attendez, j'ai plus de fibres. J'y crois pas, j'ai plus de fibres, les gens. On a un problème. Oh putain, j'y crois pas, on a plus de fibres. Oh bah du coup en fait, bah excellent, ça va me permettre de crafter le truc que je voulais crafter. Bon, je fous tout là, hein. Je retrouverai. Un objet qui avait l'air sympa à crafter et que bah je l'avais pas crafté parce que j'en avais pas besoin, parce que je me demandais même si ça allait m'être utile, mais du coup bah... Preuve par A plus B que voilà. Et tu jouais avec lui? Non, 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 c'est juste que bah... J'aime bien lui parler des jeux auxquels je joue. De même que lui me parle des jeux auxquels il joue. Même si bon, je vais pas vous le cacher, lui il joue plus à des jeux Facebook. Truc de vieux là. Voilà, alors faucille en métal. Il paraîtrait que ça permet de récolter plus de fibres. Alors j'ai bien paraîtrait parce que j'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser. En même temps, il n'y a qu'un seul youtubeur que j'ai vu jouer à ce jeu. Wow, oh, wow, j'ai le droit de jouer normalement. En fait, je pense qu'il va falloir que je redémarre le jeu. Oups, désolé. Oups, j'ai fait mal. Non, non, il joue à des trucs genre Criminal Case et d'autres jeux chelous. Pas bon. Mais écoutez, ça fonctionne plutôt bien, hein. Eh, ça fonctionne même giga. Putain, j'ai cru qu'il y avait une espèce d'araignée chelou là-bas. Non, attendez, c'est horrible là, c'est freeze là. Et je kiffe pas du tout quand ça fait ça. Ouais, donc ce que je pense que je vais faire, c'est que à partir de la semaine prochaine, donc je vais reprendre le rythme Guild Wars 2 plus Let's Play secondaire. Donc, du coup, je sais pas, peut-être sur Ark. Bah, c'est vrai qu'il reste encore des trucs qu'on n'a pas fait sur Ark, en tout cas en vidéo. Ouah! Pourquoi j'ai récolté des baies? J'en veux pas, moi, des baies. Hein. Ouais, non, attendez, vous savez quoi, on va reboot le jeu.
On reboot de suite. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je foutre l'écran d'attente. Voilà, pause, nickel. Voilà. Ta 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 ta. Ensuite, on... Oh, attendez. Quoi? Attendez, il y a encore une mise à jour? Oh non, mais... Oh putain, il fait sa mise à jour, mais... Tu fais chier le jeu. Elle pèse combien ta mise à jour de merde? Bah du coup, désolé, faut attendre. Voilà, c'est bah, c'est lent. En fait, du coup, bah... Attendez, bougez pas, je suis en train de chercher... Ah, interrupteur. Ah, 6. Là, hop. Okay. Reste là, te casse pas, voilà, merci. Non, te barre pas l'interrupteur, j'ai besoin de toi aussi pour éteindre. Bah du coup, on va faire hop. Hop, hey! Voilà, bah, du coup... Hop là. Ah oui! Bah du coup, bah voilà. Bah je vais pas me mettre en trop gros non plus. Du coup, je regardais quels sont les jeux Windows qu'on me propose. Parce qu'il doit y en avoir toutes les applications. Si je vais à J, à Java, effectivement. Bah, j'ai rien en fait en attendant, donc écoutez, on va... ah, je sais ce qu'on va faire, si, on va jouer à un jeu. Ah, hop. On va fermer. On va jouer à ça. Voilà. Alors, vous allez me dire si la musique vous dit quelque chose. Faut que ça se lance. Bon, alors voilà. En plus, ça tombe bien, je suis riche. J'aime bien être riche. Ouais, c'est cool. Voilà. Alors, par contre, le jeu est horrible et en fort dans mes oreilles. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut augmenter? Bah, si on peut augmenter ça. Ah non, tout le monde n'est pas encore à 400. Voilà. Ah là, c'est cool. Du coup. Attends, juste ça va me stresser sinon. Ah! Voilà. Voilà. Ah, ça va mieux. Ah ouais, bah forcément tu strife fast. Alors ensuite, on va augmenter donc de 10 en 10. Voilà. Ah! Attendez, max 8. Ouais, nickel. Voilà. Voilà, nickel. Le jeu qui troll. Attendez, on va bouger. On va attendre encore un tout petit peu. Voilà. Alors du coup, on va changer de planète. Attendez, j'en suis où au niveau des investors? Pas encore. Allez, launch. On va sur la moon, la lune.
Ouais, bah pareil, la lune c'est vraiment abusé. Ok. Upgrade. C'est mort, j'ai pas envie. Voyons voir. Bah si, en fait, on va prendre les upgrades. Voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va augmenter? Ici c'est 1100, donc c'est pas encore bon. 1020. Oui. Là, unlock. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas encore. Ah, toi peut-être. 1600, non, c'est mort. Ici c'est 1200, c'est mort. Ah bah écoute, on va augmenter ça. Paf! Faut augmenter un peu ce qu'on peut. Toi par exemple. Toi. 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 Allez, on repassera plus tard. Mars. Non, je vais pas. Haha! Les barres oxy... ouais, les barres oxygène, c'est vraiment abusé. 70. 222, oh, c'est mort. Même. Investors. Oh, je suis déjà rentable. J'hésite à faire une connerie. Allez. Je suis baisé. Allez. Même pas ici. J'ai même pas payé pour accélérer les choses. Voilà. Oui. Oui. J'aime bien Mars. Ça paye pas de mine, mais ça monte vite. Toi, je te monte. Ah oui! Ah, effectivement. Ah, il est OP. Ça, c'est vraiment OP. 1100. Du coup, est-ce que ça vaut le coup pour attendre d'avoir 100 pour upgrade? À 1100, ça augmente de combien? De fois 5? Ça va. Sinon, c'est 700 ici. Ouais, non, c'est mort. Ah, il a fini sa mise à jour. Bah du coup on finit rapidement. Hop. Hop. Unlock. Il faut arriver à 1400. Hop. Hop. Déploy. Voilà. Allez, donc ici il va manquer 37. Voilà. Allez, bah du coup, les amis, on va arrêter l'aventure capitaliste pour le moment. Voilà. On arrête là. Voilà, on arrête là. C'est bon, on se calme. Ça va mieux. Le jeu a planté chez moi. Bien. Allez, on va y aller. On va reprendre Arc. Bah du coup, je vais enlever la webcam. Quoique, en fait, non, puisque bah j'ai le jeu qui a planté, donc on va attendre qu'il soit retiré. Au revoir le jeu. Oui, fermez le programme, merci. Voilà. Alors du coup, Stem est joué. Jouer à Arc. Alors du coup, par contre, je suis obligé de foutre. Alors déjà, de virer ma tête. Voilà, et surtout de mettre l'écran d'attente. Parce que c'est mieux. Voilà. La la la. C'est bon, ça se lance. À peu près. De toute façon, vous entendrez la musique, tout ça, tout ça.
Non, je ne relancerai pas d'ondir capitaliste. C'est pas l'objectif du live. Allez. Rejoindre Arc. Je rejoins mon serveur. La première fois que je te vois en cam. T'as pas dû voir beaucoup de live fast. Hein. Enfin, c'est vrai qu'à cause de l'hiver et du fait que je suis obligé d'allumer cette foutue lampe. Hop là, pour qu'on puisse me voir. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins, mais sinon en été, je mets toujours la cam. Et bonjour à toi, Betwinus 20. Et puis en même temps, j'en profitais pour refaire les commandes que je faisais. Oh, attendez, bougez pas. Quelqu'un qui a tenté de me contacter à 23h, what? Quoi? Oui, mais c'est pas pour ça. Enfin, ça fait une semaine qu'on parle, mais après, je sais pas depuis combien de temps que tu me connais, toi, exactement. Ça, tout le monde. Bah oui, ça va et toi, Betwinus, excuse-moi. J'ai du mal à articulationner. Ah, j'ai reçu un mail, mais je ne peux pas le consulter, étant donné que. Ah, c'est bon. Hop, le temps que ça charge. Ah, bah merci pour le follow, Betwinus. Wow, alors, vous avez du bol de pas voir ce que je vois. Ah, ensuite, on vire. Ça, nickel. Voilà, c'est bon. Voilà, et je vous remets l'image du jeu. Voilà, désolé. Allez. Donc désolé pour... Non mais attends, mais sérieux les frises qui reprennent là? Ah non mais apparemment le jeu est sérieux en fait. Alors du coup par contre c'est vrai que comme un con j'ai caché le chat, voilà. Attendez bien. Est-ce que mon téléphone pourrait arrêter de faire des bruits énervants, merci, dégage. Grand soleil sur Windows. Ah ouais d'accord. Effectivement toi t'es un faux frère. Et je suis en train de constater que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de modérateur et que vous tenez, et c'est incroyable, il y a eu des progrès sur les lives. Je me souviens de l'époque où il y avait des bots russes qui venaient nous emmerder. C'était relou. Genre ça venait emmerder tout le monde, hein. Que tu sois connu, pas connu, c'était juste pour emmerder le monde en fait. C'était des bots partout. Bots everywhere. Je reviens, il pleut. Pourquoi tu fais la tondeuse? Parce qu'il me faut masse. Pourquoi je récupère des berries? C'est pas normal. Parce qu'il me faut masse de fibres en fait. Parce que j'en ai plus du tout. C'est une catastrophe. En fait, je suis en train de faire ça, mais en fait, il faut que j'en ai sur Nesma. J'ai même pas vérifié. Parce que. Vous êtes fatigué, blablabla. Non, elle en a pas. Par contre, du coup, je te pique ça. Du coup, on a combien de fibres là? Ouais, 4 stocks. Bon, ça devrait aller quand même. Allez, hop. Je connais rien. Ah, écoute. L'occasion de découvrir alors. Enfin bon, j'ai envie de te dire que ça fait pas longtemps que je me suis mis au jeu.
Donc, il m'arrive encore de faire et dire de la merde. Alors, il me faut encore 10 murs en bois. Allez, go. Hype. La hype pour un mur en bois. Vous l'avez, la hype? Ouais. Je suis en train de crafter quoi? Je fais de la merde. Bon, au moins j'ai un toit qui est prêt. Putain de boulet quoi. Voilà. Allez, il en faudra 4 encore après. Il vient ce... franchement, je m'éclate énormément dessus, mais faut bah soit faut avoir ton propre serveur, soit faut connaître les gens avec qui tu joues quoi. Moi, vu que je suis vraiment un grand fan de dinosaures et absolument pas de PVP, je joue sur un serveur où il n'y a pas de où il n'y a pas le PVP. Toi en bois, tu dégages. Donc il me manque 4. Allez. Je suis à combien de poids? Poids 90 sur 120. Ah ça va, je peux me déplacer. C'est inédit. Ok, alors je viens de penser à faire les murs, les gens. C'est excellent, non? Mais va bien falloir les poser sur quelque chose en fait. Donc du coup, on va faire le toit aussi. Du coup. Parce que les mecs peuvent t'attaquer, tuer tes dinos, etc. C'est relou. 6. Donc en fait du coup, ça, je m'en bats les sec. C'est là. Toi, mon toi. Nope. Wouh. Alors, bah du coup, toi. Voilà. Mon Dieu, mais attendez, mais est-ce que je vais avoir assez pour tout crafter d'un coup? Ce serait inédit. Ah, bah, merde, du coup j'en ai fait un trop, en fait. Voilà, du coup j'ai mes 6 toits et logiquement ça devrait suffire. Ouais, c'est exactement ça, Iggy. Allez, hop, vous voyez, attendez, hop. Démolir. Et rip. Et rip. Et rip aussi, voilà. Alors. Oh, j'ai fait deux ou trois. Ouais, j'ai fait que deux. Hein. Voilà. Ah bah non, en fait, c'est... Putain, je suis con, c'est 12 en fait. Bon, c'est pas grave. Alors, les 5 heures de temps, c'est plus possible sur le serveur fast. Hein. Parce que bon, ouais, mais voilà. Maintenant, ça n'est plus possible. Bah, en fait, du coup, bah, il m'en faut encore plus. Hop là. Mais il m'en faut encore 5. Toi. Qu'est-ce qui a manqué? Ah, du bois. Oh non, il va me manquer si peu de bois que ça. Ah. 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 Il me manque 6 bois. Il me manque 6 bois, bordel. Vous êtes sérieux? Really? Putain. Admin.
Est-ce que t'es... Putain, encore en train de se toucher à nous là-bas, quoi. Ah non, Sylvain. Bah, où est le mine? J'ai rangé. Ah, pfff. Ok, elle s'est mise en mode camouflage et tout. En vrai, je t'aime bien, t'es gentil. Ah, bah, merci à toi, Betwinus. Ça fait plaisir. Mais si t'as le jeu, Betwinus, tu peux tout à fait rejoindre le serveur. Et en plus, tu peux jouer où tu veux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi bien jouer dans ma tribu que dans la tribu de quelqu'un d'autre ou dans ta propre tribu. Bah, en fait, du coup, il va me manquer un bois. Oh, level up! Sur un toit en bois! C'est désespérant. Attendez, du coup, je l'ai sur moi déjà? Ah non, il est là. Voilà. Non mais en plus c'est vrai hein. J'endors les trollers. Je profite qu'ils soient pas là pour les droguer. Hop. Et... Voilà. Nickel. Et du coup on va placer les murs. Ah non mais il avait été relou hier vraiment. Hein. Qu'est-ce que j'augmente comme statistique? J'augmenterai bien mes dégâts. Allez, on est à 150, on va s'arrêter là par contre pour les dégâts, j'ai pas besoin de plus en soi. Les murs. Alors je sais que ça manque de fenêtres pour le moment sur les côtés droit, sur les côtés droit et gauche, mais enfin c'est pas la priorité les fenêtres en vrai. Hein. Allez, hop. Ah merde, d'accord. Bon, en fait, du coup, je vais devoir aller farmer. Parce qu'il va me falloir deux piliers. Un pilier en bois, ça te demande combien de bois? Pilier, 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 pilier. C'est 40 bois, oh la vache. Ouais, j'ai drogué Kaito hier, il m'avait saoulé. Il profite du fait que je lag en fait pour me foutre des coups de lance-pierre en fait. C'est pas forcément super sympa de sa part quoi. Surtout quand on sait que bah les pierres qu'il utilise c'est en grosse partie moi qui les ai fermées quoi, puisque bah je suis seul, très actif sur le serveur. Bref. Allez, on va aller farmer un peu de bois donc du coup il nous en faut 80. Ah, j'ai appris que je pouvais faire la soule. Ok, d'accord. La selle pour le mammouth aussi. Je suis à combien? 69. Il m'en manque 11. Fast, moi je connais encore un meilleur moyen, tu peux l'acheter pour 12 euros, mais t'as jusqu'à début mars. C'est sur le Monthly Bundle. Tu vas sur Humble Bundle, tu souscris pour 12 $ à leur Monthly Bundle et tu peux l'avoir. Hop là. Et Iki, fais gaffe, c'est pas parce qu'il n'y a pas de modérateur que je peux pas te bannir. Allez, alors du coup. J'ai accroché ouf.
Ok, sur l'extrémité. Du coup, on va bouger le radeau. Enfin, ce serait très con de le coincer. Allô? C'est une blague. Il m'en faut encore 40. Quand tu coupes un arbre, t'as combien de bois? Alors, ça dépend avec quel outil tu récoltes en fait, Betwinus. Avec l'outil en fer que j'ai, j'en obtiens 9. Enfin, ça dépend en fait. Ça dépend. Pas de la taille des arbres, mais ça dépend du random du jeu. Je sais pas quel est le minimum, je sais pas quel est le maximum. Mais globalement, avec une pioche en. Une hache en fer, ça va assez vite. Refast. Allez. Attends, du coup, je peux pas les crafter directement sur moi là? Si. Voilà. Voilà. Non, mais c'est quoi cette horreur? Attendez, mais il y a vraiment un problème avec ces piliers de merde. Hein. On va farmer un petit peu là parce que je veux pas d'un pilier comme ça en fait. Refaire. Moi je te conseille de l'acheter via le bundle à 12$. Mais attends, mais en plus ça tient. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles le jeu donc? Attends, ça tient et c'est invisible. Attends, ok. Bouge pas. Ah d'accord, donc toi aussi t'es via le Humble Fast. Bah du coup tu le prends juste pour un mois, vu qu'il y a que ce jeu qui t'intéresse. En sachant que c'est ce qu'a fait Kaito, il a eu le jeu immédiatement. Vous mourrez de faim. De suite, les grands mots. Ah oui, putain, l'habitude. L'habitude d'avoir la bouffe sur la parenthèse. Allez, donc du coup, on va enfin finir la maison. Nice, ça fonctionne. Non, 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 me dis pas que t'as fait ça, le jeu. Putain, le jeu qui m'a fait ça. Oh le connard. Oh, je déteste quand le jeu troll. Oh, je vais vous montrer où est-ce qu'il a posé. Hein. Parce qu'il l'a posé, il me l'a pas juste supprimé de l'inventaire, il l'a bien posé. Ah oui, alors forcément il m'en manque un. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Bah, j'ai pas de quoi recrafter.
Hein, il manque quoi pour crafter? Faut 40 bois. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'il est, hein. Oh, je veux pas d'idée. Je veux pas s'il va voir. Je veux Almine. Hein, où est-ce qu'il est le mur? Il est là! Putain. Non, avec Steam, tu peux avoir des jeux que tu actives sur Steam. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux bien avoir que des jeux qui sont référencés sur Steam, et encore, ça dépend. Mais tu peux les activer via un code. Tu peux faire des cadeaux comme ça aussi. Allez, c'est bon, j'ai assez de bois. Non, non, G2A, c'est une grosse arnaque qui pue. Enfin, G2A, c'est juste des connards, en fait. Eux, ils rachètent les jeux en promo. Et ils les revendent au prix fort. Enfin, en dessous juste en dessous du prix fort. Histoire de se faire de la thune. Donc, non, c'est juste des connards. Et donnez pas votre fric à G2A. Voilà! Ah, j'ai fait un beau caca pour fêter ça. On a fini la maison. Je viens de voir que j'ai vu 120 de drop, donc je sais pas si ça vient d'arriver maintenant ou si c'était d'avant, en fait. Du coup, les gens, vous avez le choix. Une de ces pièces est une salle des coffres, et l'autre est une chambre, en fait, tout simplement. En sachant que je compte décorer les deux, donc dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour chaque pièce. Pensant, je vais commencer à préparer le craft d'un truc. On est bien en gamme à 2, hein. La salle du bas sera le salon. Tout bêtement. Avec une petite cheminée et tout. En sachant que enfin, il y aura des cheminées un peu partout, en fait. Ouais, globalement. Salle des coffres à gauche. Alors, comment ça à gauche? T'es mignon, toi, mais genre à gauche comme ça quand je fais face à... quand je fais face au dino, gauche quand je fais face au dino, ou gauche quand je fais face à la mer. Nanana. Parce qu'entre je me tais. Me frappez pas. Allez. Face à la mer. De rien, Fast. Donc du coup, je voulais juste tester un truc en fait. Ah, ça marche. Ok. Ok. Du coup, je vais me faire plaisir. Voilà, hop. Aucun sol ou point d'accroche, je peux foutre ça au sol. Ah voilà. Du coup, on va le mettre là. Désolé Betweenie, j'aime pas trop le foot. Voilà, je suis pas très fan. Oh non, mais vraiment? Bon, c'est à peu près au même niveau partout. Hein.
Voilà, c'est bien foutu en face, hein. Oh merde, j'en ai foutu en trop. Bon, c'est pas grave. Hop. Ensuite, ici, j'aimerais bien en mettre aussi une là. Voilà. Une. Allons voir. Ici. Voilà. la dernière. Tiens, ici là. Voilà, je veux que ce soit la seule qui soit au-dessus d'une fenêtre juste pour stresser Kaito. Et pour qu'il se demande pourquoi est-ce que je l'ai mise là exactement. Donc oui, en soi, c'est juste pour l'emmerder. Allez, ensuite, on va en mettre 5. Tiens, si, je sais où est-ce que je vais en mettre 2 aussi. Voilà, on va mettre ici. Voilà. Et là. À peu près symétrique. Voilà. Ici, il y en a 5 déjà ou pas? Non. Hop. Voilà. Moi, le seul jeu de sport que je tolère, c'est Mario Tennis, Super Mario Tennis sur GameCube, que j'avais adoré. Mais après, je suis pas vraiment. Enfin. Vraiment le foot après. Enfin, surtout le foot, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le foot. Parce que je trouve les joueurs quand même sacrément surpayés par rapport à ce qu'ils font. J'ai chuté ballon! Thune! 1 million d'euros pour le but! Non, faut arrêter, quand même. Allez, souvenirs. Ah, les souvenirs. Enfin, je me souviens plus du nom exact du jeu, mais c'était un truc du genre. Je me souviens que c'était un Mario Tennis et il était sur GameCube. Je me souviens vraiment plus du nom par contre. Bon, nickel. Donc maintenant, nous avons des lumières qui sont pas toutes alimentées. En soi, 5, ça suffit largement pour tenir une nuit entière. Hein. Voilà. Du coup, maintenant, on va commencer la décoration peut-être. Sauf qu'on a plus de bois. Donc du coup bah va peut-être aller falloir en farmer. Sauf que j'ai pas envie. Donc du coup en fait on va s'occuper de la salle des coffres. Ouais, sauf qu'on a plus de bois. Donc pour la salle des coffres c'est mort en fait. Bah du coup faut qu'on aille farmer. Je suis désolé. J'ai même connu la Nintendo 64. Alors moi la Nintendo 64 malheureusement j'ai pas eu ce plaisir. Quoi, vous allez dire quoi, mais t'as quel âge? Non, mais vous inquiétez pas, j'étais né pour un Nintendo 64. Hein, c'était. Si j'avais été tout petit et que ma famille avait été riche, j'aurais pu en avoir une. Mais enfin, si, ça, ma famille se démerdait pas trop mal à l'époque. Mais disons que c'est mon grand frère qui a tout eu et que. Voilà. Mais il avait pas eu la Nintendo 64, remarque, il avait eu la Super NES. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai dit ça, mais récemment, j'ai retrouvé une 64, en fait, enfin, récemment. L'année dernière, j'ai trouvé une 64 dans les affaires de ma mère. Et du coup, j'ai jamais compris ce qu'elle foutait là. Puisque moi, je l'avais jamais vu. Hein. Allez comprendre. Torche sur pied, ça me sert à rien. Donc, du coup, on va juste déposer ça. Eh, ça pète ça, hein. Ah merde! Il y en a un que j'avais oublié, c'est pas. Voilà. Voilà. Oups.
Voilà. Du coup. Voilà. Oui, je m'éclate là, vous voyez. Hop, j'allume. Attendez. Hop, j'ai allumé. Voilà. Mais en vrai, c'est magnifique. Quelqu'un prend un screen, s'il vous plaît. Et l'envoie sur Twitter. Attendez, bougez pas. Voilà. Attendez, bougez pas, en fait, on va se foutre comme ça. Attendez. Voilà. Nous connaissons la lumière. Un petit screen, s'il vous plaît. Voilà, on va dire que vous avez eu le temps d'en prendre. Wow, je suis trop fan. Et l'extérieur, ça donne quoi? Avec quasiment tout allumé. Ouais, ça va. C'est sympa, j'aime. Alors, j'en ai chien pour construire cette maison, hein, vraiment. J'ai pas foutu de lumière ici. En fait, c'est pourquoi ça? Ok. J'ai pas foutu de lumière ici. Attends, du coup, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ouais, juste en piquer deux. Voilà, waouh, trop bien. Par contre, je serais pas content. Bon, c'est pas grave. Allez, go. Du coup, où est-ce qu'on va poser ça? Si je le mets là, ouais, voilà. Là, ah, est-ce que je les serre? Non, je les espace, hein. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut passer derrière? Non, c'est bon, nickel. Parfait. Et bah, du coup, il va m'en falloir plein d'autres pour remplir. Et le problème, c'est que du coup, on verra ce. Ouais. Mon père joue à Resident Evil. Moi j'ai beaucoup joué à Zelda Wind Waker à l'époque, à Super Smash Bros. Melee. Alors j'ai passé mais genre des heures, hein. Je vous jure, j'ai passé la moitié de ma vie sur ce jeu, quoi. Ce qui fait que j'ai un très bon niveau. Enfin, j'avais un très bon niveau. J'aimerais bien un jour vous faire un peu de. Bah écoutez, maintenant j'en ai l'occasion, remarquez. Peut-être qu'un jour je vous ferai du Melee en live. Ce sera pour être sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour le screen fast, je vais regarder ça de suite. Du coup j'en ai. Ah ouais, j'en ai encore une en fait. Voilà. Alors je regarde le screen, ça ressemble à quoi? Waouh, ça va! Ah c'est stylé, c'est stylé! Ah, coucou Erika. C'est la vie, effectivement, je suis tout à fait d'accord. La GameCube, ça a juste été ma console préférée, quoi. Alors, je dis pas que les jeux de maintenant sont mauvais, attention, je ne fais pas partie de ces vieux cons qui disent ça c'est mieux avant. Mais faut dire que mes plus gros coups de cœur, mais les jeux qui ont pour moi le plus de punch, c'est clairement des jeux sur GameCube. Oh putain, il quitte ton message promotionnel. Cette classe. Je viens de frapper le vide. Bon bah du coup, écoutez, on va aller, bah, on va. Je me souviens de pourquoi j'étais remonté. On va réparer la hache. Allez. Bah ah oui, c'est là, pardon, c'est vrai. Ah merde. Digimon Rumble. Ah, jamais fait. Le jeu Vex, ça me dit rien comme ça de tête.
Et pour moi, le jeu vraiment qui m'a énormément marqué sur GameCube, ça a été Pokémon Colosseum. Et là, vous allez dire quoi? Pourquoi il pourrit un peu, non? Il a très très mal vieilli et le gameplay est affreux. Mais putain, les Pokémon en 3D, mais vous rendez. Enfin, à l'époque, mais c'était. C'était vraiment un truc de dingue, les mecs, hein. Des Pokémon en 3D. Hein, alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a les Pokémon Stadium. Non, mais les Pokémon, ils étaient polygonaux à ce moment-là, ça compte pas. Non, vraiment, en 3D, les Pokémon, genre des vrais Pokémon et tout. Qui avaient des animations et tout, mais c'était une putain d'innovation. C'est bon, on a tout éteint. Non, on n'a pas tout éteint. Alors du coup, ça a consommé, ça a consommé qu'une seule poudre. Vous voyez, pour une nuit, une poudre, ça va. Du coup, on va prendre Almine. Putain, il va vraiment falloir aller chasser. Hein. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais. Oh, pardon. Jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ouais. Ok, mais je me contentais de regarder mon frère. Vous voulez pas que j'y touche? Ouais, bah tu mettrais une seule save. Et ça fait chier. Moi, c'est XD que j'ai connu beaucoup plus tard. Et par contre, quand j'ai connu, j'étais assez déçu. Parce que graphiquement, je le trouvais derrière Colosseum. Parce que, enfin, si vous voyez les personnages en fait de XD. J'ai trouvé extrêmement simpliste par rapport à tous les chara-designs qui ont été faits sur Colosseum. Puis, faire regarder la gueule des persos, vous comprendrez juste ça, quoi. Juste la gueule des persos. Enfin, ils sont tout lissés, tout dégueulasses sur XD, en fait, c'est ça. Stop, le karaoké, tu en sens nul. Mais... Pourquoi tant de haine et de violence? Tiens bon là-bas et tiens bon le vent ici haut. Non, d'accord. Tiens bon là-bas et tiens bon le vent ici haut, Santiago. Si tu as un live sur Super Chargeance Melee, il n'y a pas un moyen obscur sur le moteur de jouer à plusieurs à distance. Alors Fast, si je fais un live sur un jeu multi, constamment ça se passe mal. Arc, c'est la seule putain d'exception. Mais genre c'est vraiment une exception que je surkiffe. Mais genre je surkiffe comme pas possible. J'ai pas l'impression de laguer en jouant à Arc. Sauf quand le serveur a des lags, évidemment. Mais voilà. Mais non, mais Erika, c'est bon, j'arrête. Regarde, je me tais. Je ne parle plus jusqu'à la fin du live. C'est quoi ce truc? Peau voile? Mais what? Peau voile? What fuck? Bon, allez, du coup, on est là pour une bonne raison. Il est temps de farmer. Ça faisait longtemps, hein, je suis sûr que ça vous manquait. Au voile. Putain. Oh! T'inquiète, je suis pacifique. Je suis pacifique. Mais calme ta joie. Le machin, j'ai l'impression qu'il veut me faire un câlin, quoi.
Non, non, le pire c'est que c'est des... T'inquiète, je compte pas t'attaquer. Mais putain, mais lâche-moi l'ankylo. Mais c'est quoi cet ankylosaure qui veut m'enquiller là? Le radeau. Ah, ça y est, quelqu'un l'a remarqué enfin. Je l'ai appelé comme ça en hommage à Samshi et ses jeux de mou pourri. Wow putain Nightbot, ça y est, t'as enfin mis le message. Wow mais je pensais qu'il était cassé Nightbot moi depuis le temps. Wow, alors faut savoir donc que ça fait bah depuis lundi en fait que Nightbot est censé mettre ce message et que j'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Wow, truc de dingue. En fait, Iki, non, tu peux sur ce gros serveur, tu peux rejoindre avec une version craquée. Parce que je l'ai permis. Bon, on va pas trop abuser. Viens, viens là, viens là. Au pied. Voilà. Non, c'est bon, c'est ami, hein. Mais annulé, qu'est-ce qu'il me faut ça? C'est pas bien, bon pour ceux qui ont pas la thune, fast. Effectivement, il y a des mises à jour foireuses tout le temps. Genre elle rajoute des traductions bidons. Peau. Peau voile. Pareil, l'armure en peau. Non, je suis désolé, c'est une armure en cuir. Allez. Je vois rien. Qu'est-ce que tu veux? Dégage! Adieu! Oh! Nice. Non, fast dans le cas de Ark, c'est pas. Enfin, si t'as une version outdated, c'est pas trop grave hein, quand tu joues sur un serveur. C'est lorsqu'il y a des grosses mises à jour, mais quand c'est juste des petits patchs correctifs à la con, genre ce qui sort tout le temps, OSEF. Moi j'ai aucun jeu craqué sur mon. Attendez, avant de dire une connerie. Non, j'ai aucun jeu craqué sur mon PC. Enfin. Alors ça dépend ce que vous appelez craquer parce qu'à ce moment. Enfin. J'ai bien les émulateurs, effectivement. Mais je vous rappelle que. Ouais, bah tous les jeux que je vous ai fait en stream sur émulateur. Et d'ailleurs tous les jeux que j'ai sur émulateur. Sont des jeux que j'ai obtenus. Je peux plus dire malheureusement que je les ai, étant donné qu'ils sont à Castres et que moi, bah je suis plus. Je suis pas à Castres. Ça va lui faire bizarre d'avoir à manger là. Allez. Et on a dépassé 2 heures de stream les gens, normalement ça devrait être la pause. Ah, il est minuit. En fait, non, c'est même pas la pause, ça devrait être la fin.
Oh, c'est dommage, du coup, je vais devoir arrêter le stream là. Pff, ça m'embête. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Bon, tant pis. Je continuerai en off. Bah, je voulais faire la décoration de la base et tout. Pff, bon, au pire des cas, demain, je vais farmer comme un gros porc et puis on fera ça ensemble. Demain, il y aura sans doute un live dans la journée et non pas en soirée, puisque bah, j'aurai pas la vidéo à record. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais farmer quand même pour bah, les ressources. Et que pour donc pour demain, le prochain stream. Mais putain, mais arrête de me demander de renommer ce radeau. Du coup, donc pour le prochain stream, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais. Enfin, alors déjà, quand est-ce qu'il sera? Réfléchissons. Demain, je vais essayer de me lever tôt. Vu que j'aurai pas de vidéo record. En théorie, en fait, demain midi, devrait y avoir un stream. Ouais, bien sûr que je suis déçu de le faire. Mais je suis obligé de le finir maintenant parce que bah, j'ai la famille et que maintenant j'ai un animal à aller sortir hein, pour éviter d'avoir des cacas partout dans la maison au réveil. Et qu'ensuite, il faut que je fasse le montage de la vidéo. Enfin, non, en fait, je vais arrêter le stream. Je vais faire une pause de 2-3 minutes histoire de me relaxer un peu les yeux. Puis je vais faire la vidéo. Enfin, je vais faire le montage de la vidéo. Puis je vais lancer le rendu, puis je vais balader la boule de poil. Puis j'attendrai la fin du rendu en fait. Puis je lancerai le plot quand je pourrai, et puis j'irai peut-être me coucher. Ou pas, parce que je vais pas envie de me coucher tôt. Enfin, de toute façon, parce que je suis incapable de dormir en me couchant tôt. De quoi, quelle race? Ah, je sais pas ce que c'est comme race. C'est un chien avec des poils. Enfin, genre c'est blanc et bah ça fait des bruits bizarres. Et ça bouge la queue et ça fait caca et pipi. Donc je sais pas ce que c'est exactement. Vous voulez que je vous le montre le machin? Par contre, je veux pas de screen ou d'image sur Twitter parce que du coup la bestiole. Enfin, moi mes bestioles je les montre très rarement. Et surtout que dans le cas de cette chienne, bon, c'est encore. Je crois que c'est un canidé. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Hein. C'est entre les deux hicks. Je connais pas les races des chiens, je sais, honte à moi, mais n'en ayant jamais eu, et quand j'étais gosse, vu que j'étais allergique, je me suis jamais intéressé aux chiens. Par contre, quand je vous dis que j'étais allergique, mais c'est genre l'allergie, mais genre je mourrais. Hein. Le pire, c'était avec les chats. Ah, Almine. Non mais tu te fous de ma gueule? Me dis. Allez, viens là. Mais con de toi quoi. Ouais, alors je vais me prendre un vent. Merci. T'es toujours allergique au chat, beaucoup beaucoup moins. Mais je le suis toujours. Mais beaucoup moins. Mais je le suis toujours. Mais beaucoup moins. Attendez, donc j'essaie de vous ramener le chien un instant. Hop, si quelqu'un arrive, dites-lui que c'est la fin du live de toute façon.
Bon, bah en fait, comment vous expliquer? La bestiole poilue là, qui fait du bruit et tout, et qui fait caca et tout, est actuellement en train de dormir et j'ai pas envie de la réveiller. Enfin, j'ai pas envie de la réveiller. Je la réveillerai en tous les cas tout à l'heure quand j'irai la sortir, mais je vais pas l'empêcher de dormir quoi. Enfin, c'est pas ma mentalité d'empêcher un chien de dormir pour l'exhiber à tout le monde. Enfin, un chien ou un chat. Enfin, si, en fait, si c'est pour emmerder des chaussettes, ça me dérange pas. Parce que chaussette, elle nous emmerde tout le temps. Mais si c'est une magnifique petite chienne qui a rien demandé à tout le monde, à personne, bon, j'ai pas envie de l'emmerder. T'habites dans quelle région, Fast, déjà? En fait, je crois pas le savoir, en fait, donc le déjà, il est en trop, mais t'habites dans quelle région? Parce qu'à mon avis, c'est pas près d'arriver, hein. Bref, allez, bon, bah, dans tous les cas, les amis, on va s'arrêter là, hein. Voilà. Donc, un gros, gros merci à vous d'avoir été présent, quand même. Donc, vraiment, c'est sûr, demain, il y aura un live dans la journée, en plus du live du soir. Hop là, où est-ce que t'es? Reviens là, saloperie, je t'ai vu, là. Ah ah! L'Isère. Ah oui, non, bah, allez, c'est mieux, je suis tombé. L'Isère, c'est pas très loin de chez moi, je crois, en fait. Ouais, bon, voilà. Arrête de vouloir me faire renommer ce. Mais. Voilà. Donc voilà. Et donc, du coup, bah, je vous dis à demain et merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous et tout ça. Salut! Et je vous jure que ces mobs me font flipper. Voilà. En fait, du coup, je vais plutôt vous laisser en étant à la maison. Parce que j'ai pas envie de déconnecter en étant là. Tu me diras par Skype. Bah, c'est simple, moi je peux le dire, hein, j'habite dans l'Hérault à côté de Béziers. Donc voilà. Comme ça, rappelle Bagdad. Ah oui, Agde, effectivement. Bon allez, hop là. Donc je vous dis salut. Salut. Ouais, bah du coup, faut que j'attende d'arriver à la base en fait. Donc salut. A plus. Bye. Au revoir. Bonne nuit, à demain, je ne suis plus là, je vois rien en plus, elle est loin ma maison? Non, elle est là. Salut, au revoir. Hop là. Attendez, c'est moi ou... Il pleut pas, hein. Oh, sûr, il pleut pas dans... il pleut pas chez moi. On est d'accord, hein. Ma maison elle est waterproof hein. Déconnez pas. Allez, zou, salut. Putain, je vois plus rien quoi. Torpeur. Il est au max, c'est Benny Kaito.